bouteille de Coca-Cola de Coca donc 1910, Coke Bottles 1910, et on voit pareil Coca-Cola de partout. On voit pas Coke nulle part. Alors que logiquement, c'était Coke, surtout chez les anglophones. Les anglophones disent Coke, ils disent pas Coca-Cola. C'est vraiment un verre. On en trouve une sur, sur eBay ou je sais pas. Il y a une là. Oh, une. C'est une vieille photo de, derrière un frigo dans une vitrine réfrigérée. Ouais. Vous voyez, 2017. L'image. Alors, dit ralenti. Voilà 2017, quoi. Bon, 2017, le truc a changé, c'est que tout, c'est tout en plastique maintenant, quoi. En pétrole. C'est en pétrole. Ouais, c'est ça même. Et c'est tout Coca-Cola, pareil. Est-ce qu'on peut arriver le reste Ouais. Et ouais, les marques qui appartiennent à Coca, on les voit bien là. Sprite, Fanta. Ouais, c'est fou ça. Le Coca-Cola, c'est le dernier effet Mandela que j'ai découvert en fait. C'est pas. Ouais, c'est étrange quoi, comme truc. Et vous étiez en train de parler de quoi lorsque ça a bugué chez moi et que je ne vous entendais plus? Je vous entendais plus, pardon. Rien. Et non, c'était Olivier qui était en train de développer un truc sur. Sur. Pourquoi en fait ça, ça buggerait Ah oui. Ouais, peut-être non, en gros, je disais. Peut-être qu'on se prend la tête et en fin de compte, c'est qu'une remasterisation des produits, tout simplement.